Hellali, ho ho Kali YouTube et bienvenue sur PlavaStation. Aujourd'hui on est parti pour parler du pire fight de cette extension avec les pires mécaniques de cette extension. On est évidemment avec les meilleurs bros sur Twitch là-bas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live sur les réseaux sociaux ou sur le Discord, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus hein. Petit abo, petit like, petit partage, ça aide énormément pour l'algorithme, je compte sur vous, n'hésitez pas à me dire s'il manque des choses dans le guide ou si vous avez aimé tout simplement. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider sur Tipeee également. Donc du coup on se lance cette post-it strat pour Onibi Lovely, ce combat magnifique et c'est parti. Donc du coup on est sur Honeybee Lovely. Donc petit fight, vous allez avoir besoin du coup de duos tout simplement hein, vous établissez des duos sur des marqueurs, un support, un DPS, un mêlé indistant dans chaque duo et vous êtes good pour tout le combat. Donc petit pool, faites attention aux autos quand même, c'est toujours ce qui fait le plus de dégâts dans le combat. Elle entame avec une AOE, donc on fait attention, on peut préparer de la mythi, un petit shield pré-pool avec un érudit. Et va encore commencer avec les mécaniques qui vont revenir. Chute de venin, faites attention, cette mécanique devient goutte de venin pendant les lives. Chute et goutte de venin, c'est duo. Pluie de venin ou pluie de cœur, c'est spread. Elle va le stocker dans son arme et va le résoudre à la prochaine mécanique de in, enfin de in ou de ligne. Donc ici, elle fait tourbillon tentateur, donc c'est in puis intercardinal. Elle a stocké un duo, donc c'est in puis intercardinal en duo. Ça peut être un spread ici, faites attention. Donc là maintenant, elle va stocker une pluie de venin. Donc vous voyez l'autre variante directement. Qu'elle va utiliser avec rayon mielleux, donc la ligne. Faites attention, la max mêlée c'est possible, mais c'est très limite. Donc là c'est un spread, position spread hein, sur la ligne qu'a dessiné la OE. Et elle peut faire vice versa dans n'importe quel sens. Ici, Dark Tueur, premier TB. Donc ici, elle a deux TB, soit un tank cher que vous pouvez invu. Soit sur les deux tanks spread, faites très attention à bien être deuxième à l'aggro ici. Sinon il va se passer des dingueries dans votre groupe. Et elle va commencer avec son premier live, ouverture. Red wide, on fait attention à mitiger quand même. Donc les joueurs vont avoir un cœur. Combo d'amour central et combo d'amour extérieur. Donc toujours la même mécanique mais dans le sens inverse, on verra les deux. Hein. Donc in, out. Rotation max mêlée pour combo d'amour central. Effusion d'amour ensuite. Ça va faire apparaître des tours. Vous restez dans votre cadran et vous prenez les tours. Les mêlées pour les mêlées. Les ranges pour les ranges. Vous privilégiez les joueurs à zéro cœur. Vous privilégiez les joueurs avec le moins de cœur. Étant prioritaire sur les tours. Vous laissez les joueurs avec le moins de cœur prendre les tours tout simplement. Et quand vous avez F2, vous pouvez monter jusqu'à 3, mais jamais au-dessus, sinon vous ne pourrez pas finir la mécanique. Donc on laisse les joueurs avec le moins de cœur prendre les tours. On s'organise un petit peu, on se déplace un petit peu. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe. Amour persistant, c'est la fin. Donc du coup, on esquive, tout simplement. Donc là, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre les 2 cœurs au nord, les 3 cœurs, au sud. Pourquoi? Parce que les cœurs vont se déplacer en spirale, donc c'est beaucoup plus simple de se déplacer. En suivant la spirale. Comme ça, vous n'avez qu'à faire attention aux cœurs qui viennent de l'extérieur. Mais vu que vous étiez paqué, normalement, ils vont tous être à peu près au même endroit. Plus simple à esquiver. On fait juste attention à ça. On prend le cher quand on a 2 cœurs. Mais jamais quand on a 3. Et voilà. Elles vont finir par combo d'amour extérieur. Donc la même chose que l'autre, mais dans l'autre sens, du coup. Donc max mêlée. Rotation. Out. Et in. Donc c'est exactement la même chose que l'autre, mais dans l'autre sens. Onibi Final, l'AOE de fin de mécanique. On pense à Mithy. Toujours on pense à Mithy hein, d'ailleurs. Je vous vois. Et maintenant, meilleure mécanique du fight évidemment. Donc là, Tank Buster, donc on voit l'autre variante. Les cleaves, faites attention, ils sont assez larges, d'accord? Aux intercardinaux, minimum. On vous voit les DPS, exactement. Oui, on peut le max mêler, absolument. Donc, phéromone d'alerte, ici.
Vous allez vous positionner à l'extérieur, regardez, les abeilles vous tirent dessus, les spawns sont random, donc objectif prioritaire, toujours être devant le boss ici. Vous n'avez pas le choix. S'il faut traverser par le middle, traverser par le middle, mais n'êtes jamais là. Là, c'est pas bon. Là, vous êtes trop tard. Il faut toujours être devant le boss dans cette mécanique. Toujours devant. Toujours, 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 toujours devant. Parce que sinon, il vous arrive des bambouseries comme ça, où vous ne pouvez juste plus esquiver, et c'est terminé. D'accord ? Donc ici, l'important dans le Mario Kart, c'est d'être devant le boss. Quoi qu'il arrive. On testera des choses dans un petit short ultérieur. On essaiera des choses sur cette mécanique pour voir si on peut la régu. Parce que c'est la mécanique chiante, parce que vous pouvez pas la régu. C'est toujours YOLO. Donc, on commence avec le live numéro 2. Donc ici, les 100 cœurs iront au nord. Les 1 cœur iront à l'ouest. Donc, vous allez bait les deux chairs au même endroit, mais ce n'est pas grave. En termes de dégâts et en termes de cœurs. C'est beaucoup mieux en termes de place. Pourquoi ? Parce que là, vous allez voir qu'on va finir. D'accord ? On n'aura même pas rattrapé le groupe qui était en D, si c'est juste décalé un petit peu. Le groupe qui était avec un cœur, lui, pendant ce temps-là. Donc, vous voyez que là, les groupes avec 0 cœur, ils ont bait les AO, ils ont pris les chairs. Les groupes avec un cœur, deux joueurs vont avoir une AO sur la tête, qui vont devoir les mettre pas devant les tours. Et les deux qui n'auront pas d'AO vont devoir aller récupérer des tours. Vous splittez la salle en diagonale, les supports d'un côté, les DPS de l'autre, pour récupérer ces tours, tout simplement. Et la tourbillon tentateur avec la mécanique qu'elle aura stockée au départ. Donc on fait attention à ça. Donc là, elle a stocké un duo au départ. Donc on reste bien en duo. Donc profitez hein, si vous pouvez utiliser des macros pour retenir ce qu'elle fait. Parce que elle fait beaucoup de mécaniques différées. Faites attention. Donc le Omnibi final, Red Wide, on mitige. On tape. Donc là, elle fait une chute de venin, donc chute ou goutte, d'accord, c'est la même mécanique, c'est duo. Elle retient le duo pour plus tard, là on met les supports au nord, les DPS au sud. Et vous allez repérer du coup les lignes qui vont apparaître, les phéromones d'alerte 2. Donc là vous repérez cette ligne là, d'accord, votre but est d'aller à 90 degrés de cette ligne là toujours. Allez poser votre marqueur, dès que vous avez un marqueur, hop, vous allez à 90 degrés de cette ligne à l'extérieur. D'accord, vous êtes à 90 degrés, on est bien. Donc 90 degrés, là il est sur la ligne, donc on peut se servir de la ligne. Et ça tourne dans un sens ou dans l'autre, faut juste repérer la direction des flèches en gros. Donc on esquive et on tourne, on esquive et on tourne, on place ses AO à l'extérieur au fur et à mesure. Vous voyez que si les AO sont bien placées, elles se touchent toutes. D'accord, pas de problème. À la fin de la mécanique, il va y avoir un chair sur les supports et un chair sur les DPS. Donc on prend bien son chair. Retour du TB, donc ici normalement vous prenez à la 2 ou bah, si l'autre tank il a l'invu, il met son invu. Rayon mielleux, attention, elle avait stocké un duo en début de mécanique. Donc max mêlée ici, on va faire le duo ensuite, à l'intérieur. Attention ici c'est toujours soit des... En fait c'est random, hein. C'est duo ou spread. Donc c'est pour ça que c'est important de bien retenir ce qu'elle fait au début de mécanique à chaque fois. Parce que ça va venir vous rattraper en fin de combat sinon. Et attention, Onibi, live conclusion, le dernier. Le dernier de ce fight. Vous n'aurez pas de cœur au début. Elle va commencer par stocker. Goutte d'amour cette fois-ci. Goutte, chute. D'accord, même combat. Duo, encore. Quel stock. Alors, sauf que là, vous allez avoir des défamations. Les défamations sont des debuffs courts et longs sur les supports et les DPS. Donc le set ayant le debuff court va devoir les résoudre en premier, vous les résolverez du coup là où vous êtes assigné les positions en cardinal à l'extérieur de l'arène. Donc moi j'étais côté 2 et B, donc j'irai en B. Donc combo d'amour central comme la dernière fois. In. Out, loin. Max mêlée. Rotation. Et ensuite diffamation, on va à l'extérieur. Ceux qui n'ont pas la diffamation vont à l'intérieur. Et vont prendre les tours du côté de leur marqueur. Voilà, donc centrale, extérieur. Max mêlée. Rotation out. In.
Là, les DPS devront aller ensuite poser leur diffamation. Les autres vont bien in. Je prends la tour du côté de mon marqueur 2. Et on retient, elle a fait un duo. Tourbillon tentateur, in et intercardinal en duo. Nubi final, red wide, fais attention. On n'a pas fait attention là, ça a fait très mal. On n'a pas eu assez de mitigation sur celui-ci. Red buff potion ici. Tank buster. Fais attention au cleave. Et donc ici, on se place en protéin autour du boss pour la dernière mécanique, c'est le soft enrage ici. Cœur cruel, red wide, une toute debuff. Vous avez tous des debuffs ici, vous allez regarder votre debuff, et dès que votre debuff est à 10 secondes après une AOE, vous allez au centre. Donc le but est de ne surtout pas toucher les autres joueurs, sinon c'est boum boum, d'accord? Donc dès que votre debuff est en dessous de 10 secondes, là on voit que Just et Astou ont moins de 10 secondes, il y a eu une AOE, et ils vont au centre. Voilà, et là on attend la prochaine AOE. Donc prochaine AOE, red wide, on attend un petit peu, là que je vois que mon debuff est à moins de 10 secondes, j'attends un petit peu pour que le heal soit fait, et je vais au centre. Et on attend. AOE. On fait péter, AOE, on fait péter, AOE, on fait péter. Et puis ce sera l'enrage du boss. Voilà, j'espère que cette post-it strat vous aura aidé. J'ai survolé les mécaniques, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète où je décrypte absolument tout. Je vous fais la bise du regard, n'hésitez pas. Hein. Les commentaires, les partages, ça aide énormément. Si le cœur vous en dit, aidez-moi sur Tipeee, je dépends de vous pour cette extension grandement. N'hésitez pas comme les meilleurs bros à venir nous voir en live ou sur les réseaux sociaux et le Discord. Mais tous les liens sont dans la description, je vous fais la bise du regard à tous. À très bientôt sur cette chaîne, des bisous. Ciao.